Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer à construire les tours de nos enclos. Donc aujourd'hui, je vais faire le tour donc de l'enclos des élans, installer la petite forêt que je voulais faire près de l'entrée et aussi une forêt à côté pour briser la vue sur l'enclos des lamas. Mais je vais également revoir un peu mon bâtiment que j'avais fait pour la plaine avec les gazelles, les buffles et les autruches. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'aime bien revenir sur mes enclos et la couleur du bâtiment me plaisait pas trop de base, donc c'est toujours pas trop ça, donc j'y reviendrai peut-être, mais là j'ai retrouvé un truc qui me satisfait un peu plus. Donc moi j'aime bien revenir, pouvoir reconstruire, rechanger un peu ce que j'ai déjà fait. Parce que bah. Et puis il faut pas s'en priver parce que un zoo ne reste pas figé dans le temps. Hein. Très bien, repeindre les bâtiments, reconstruire, réaménager. Ça change. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est la vie. J'ai également rajouté les points pédagogiques pour du coup l'enclos des lamas et l'enclos des élans, parce que je l'avais pas encore fait. J'aimerais bien avoir mes petits panneaux à moi pour changer un peu de ce que le jeu nous offre, mais j'avoue que je sais pas, je suis pas designer, alors je ne sais pas du tout quoi mettre. Donc pour le moment je garde cela, je garde en tête le fait de faire les panneaux moi-même, mais je sais pas trop l'inspi pour les faire, enfin je sais pas quoi mettre à la place. Et j'ai aussi vu du coup que les visiteurs traversaient les rochers qu'il y avait sur un chemin, forcément, hein. Donc j'ai essayé de faire comme je peux avec les barrières. Sur le sol, je verrai si ça embête plus ou pas. J'ai aussi un peu reculé le rocher parce que ça faisait quand même très gros sur le chemin. Mais ouais, j'espère que ça fera un peu moins bête. Parce que les voir dans le caillou, bon, c'est pas top.
Nous avons eu du coup un petit bébé lin que vous avez pu voir là dans l'eau. Et on a aussi eu des petits bébés autruches. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis sous contraceptif le mâle. Je me demandais pourquoi j'avais pas de petit alors que les autruches, ça y va, même si on n'en met qu'une de femelle. Parce que du coup, j'ai mis qu'une femelle reproductrice. Ça y allait quoi, et là j'avais rien donc je me suis un peu posé la question. Et en fait, c'était juste parce que j'avais mis la contraception donc forcément ça marchait pas. Pareil pour les gazelles, j'ai un peu changé ma femelle reproductrice parce que j'avais des femelles qui ont vieilli. J'en ai une qui est décédée aussi donc je ne compte pas en racheter parce que j'espère avoir des petits. Et donc j'essaierai tout le temps de rester sur le chiffre de du coup 36 pour les gazelles. Mais ouais, je vais espérer que j'ai des bébés, parce que là j'en ai pas. J'ai juste un bébé buffle. Mais ouais, ça pourrait être chouette quand même d'avoir des bébés. Même si l'enclos est déjà bien plein. Là vous pouvez voir un peu le réaménagement que j'ai fait pour donc enfin c'est pas un réaménagement, en gros j'ai juste repeint les murs et au lieu de mettre les bambous qui du coup collaient plus je trouvais, j'ai mis de la pierre. Alors je suis toujours pas trop fan de la couleur donc je vais la rechanger encore une fois. C'est possible que je la rechange en fait, j'ai l'impression qu'il manque un truc sur le mur, j'aime pas, le mur est trop plat. Mais j'avoue que je sais pas quoi mettre dessus. Donc j'attends vos idées si vous en avez. Mais ouais, j'ai du mal avec cet abri. L'intérieur, il n'y a pas de problème. J'aime bien un peu comment j'ai fait. Si vous vous demandez la loge de gauche, du coup, avec les 2-3 bambous là, c'est. Pour moi, dans ma tête, c'est pour les buffles. L'enclos avec les grillages, pour moi, dans ma tête, c'est avec les autruches. Et l'autre, c'est pour les gazelles, du coup. Ensuite, c'est pas comme ça que ça se passe, non. Mais ouais, je me suis dit, pour les autruches, il vaut mieux mettre un grillage. Faire piquer le nez, là. Bouf. Après, j'avoue, j'ai jamais vu comment étaient faits les bâtiments. Les autruches dans les zoos, c'est pas l'animal qu'on voit le plus, pas l'animal qui intéresse le plus les gens, donc j'avoue que j'ai pas trop d'idée de à quoi ça peut ressembler les barrières. Donc on fait avec son imaginaire et puis on se débrouille. Donc nous voilà sur la fin de cette vidéo, vous pouvez avoir une vue du coup sur le nouveau bâtiment. Et puis on se retrouve du coup demain pour le prochain épisode du challenge de la roue. Ciao !